dans l'épisode précédent. Et premier fail, j'ai voulu faire un tourbillon, mais... D'accord. Si j'ai la flemme ou non... Ok. Je vais essayer d'avoir l'habitude. Oh ! Et en Australie, il n'y a pas de piranha. Oula, merde. C'est plus en Amérique du... En Amérique du Sud. Et maintenant... Hello mes louveteaux, comment on se retrouve? C'est Kaisu, l'ami de Jinuga sur Crash Bandicoot Insane Trilogy. Alors les gens, la forme? Moi c'est, je vais super. J'ai la patate. Toujours motivé à torcher ce remake de mon enfance, de ma tendre enfance, de petit rageur derrière sa petite PlayStation. En couche culotte. Allez. Donc, toujours dans le 1, on touche pas encore au 2, même si ça me démanche. Oui, c'est quand même mon crash préféré. Hein, c'est... Et je vous pas. Comment il te regarde le Aku Aku? T'as de beaux yeux, tu sais. Allez. Donc la dernière fois, nous avons déjà torché... Ah oui, quand même, hein. 1, 2, 3, 4, 5... 5 niveaux, hein. 5 niveaux, quand même, tranquillou. Hein. Quelques fails au début, puis j'ai commencé à bien reprendre la main. Voilà. En espérant que... Bah, j'ai continué à bien prendre la main, surtout face à Papou Papou, quoi, c'est... J'espère quand même que ça se passera bien, c'est pas un boss difficile, même dans le remake, normalement. Donc, le chef des aborigènes. Oh là là là, putain, la gueule qu'il a! Waouh! Par contre, son petit casque est vraiment stylé, hein. Ah oui. Ah! Je rebondis sur son cul. Hop là. Et sa musique est très bien retravaillée. Elle ressemble beaucoup à l'original, hein. Très 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 proche dans le rythme et tout. Oula! Ah oui, c'est vrai, on vous donne pas de masque! Eh ben oui! J'avais complètement oublié cette subtilité. Ah ben non, les masques gratos, c'est fini. Ah bah... Alors on n'est pas des petites bites, hein, quand même. Dans le remake. Eh ouais, t'es un fan de Crash ou tu l'es pas, hein. Hop là. Je suis quand même mort face à Papou Papou, quelle honte. Deux fois, quelle honte! Et jamais 203, je parie. Allez! Ah, même son petit sceptre est vraiment stylé, hein. Alors que ça ressemblait juste à une grosse boule de pixels dans le... dans l'original. Hop là! Je suis sur son trône, hein. Mode Thug Life. Hop là, oula, il allait retourner. Mais rapide. Voilà. Quand même, c'était pas difficile. Boing, boing. Lol. Oh, le joli jeu de mots, trophée obtenu, il n'a pas pu gagner. Lol. Ah, ça essaie de faire des blagues, hein. Ça essaie de faire de l'humour. Hop, hop, hop. Non, 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 je veux, je veux, je... Eh,
Tu m'écoutes, bordel de merde? Voilà, merci. Machine temporelle de Coco. Tu veux qu'elle participe à ton aventure? Allez, juste pour tester. Donc R2 pour changer de héros. Ok. Donc, toc. Voilà. Allez, juste pour changer un peu. Utilisez la petite Coco, même si c'est très... ça fera un très très gros... un très très gros... comment dire... Une très grosse incohérence dans le scénario. Putain, Coco en face de Tona. Oh, ce serait tellement marrant. La planche à pain en face de la limbo. Oh mon dieu. Enfin la limbo, la bimbo. Qu'est-ce que je raconte? Ah, brio! Bah tiens donc. Bon, je vais pas tout le temps prendre Coco non plus. Parce que bon, voilà. Je respecte l'original. Crash, c'est mon meilleur ami d'enfance quand même. Ah ouais, d'accord. Ouais. J'ai réussi à avoir le masque quand même. Alors oui. Le truc de brio. Alors je sais même plus si ça... Enfin, tant pis, on verra de toute façon. Oh oh oh, attention. Ok, c'est bon. D'accord. Voilà. Sachant que Coco, en plus, on peut prendre possession d'elle dans Crash Bandicoot 4, à pied, bien sûr. Dans Crash 4, ils ont fait quelque chose quand même de très intéressant, c'est qu'elle a des mouvements un petit peu à elle en fait. Tandis que Coco, elle, elle a exactement les mêmes mouvements que Crash. Elle peut même glisser, etc. dans les opus précédents. Bon, tandis que dans... il me semble que dans Crash 4, il y a des trucs que Crash sait faire qu'elle ne peut pas faire. Mais bon, après, ce sont des niveaux spéciaux Coco, donc c'est pas des héros qu'on peut choisir comme ça. Merde! Yes! Tous les coups sont permis. Nya, d'accord. Hop, le petit PC portable qui vole. Étant informaticien, ça me fait mal au cœur de voir ça. Je sais plus, non, il n'y a rien. Il me semble pas. Ah non, mais ici aussi, il y a une gemme à récupérer pour... Mais oui, la gemme le, évidemment. Oh, je me casse le cul à casser toutes les caisses. Ça va pas la tête. Oh, d'accord. En mode aucun respect. On entend l'éléphant dans la musique quand même. Oh. Ah, il y a une ville ici. Ah! Attendez. Comment je fais pour monter ici? Ils ont caché une ville. Mais putain, comment je... Bordel de... Non, bon tant pis. Mais on va dire tant pis alors. Je pensais pourtant. Oula. No. Tiens ben voilà, allez. La petite sœur qui va rencontrer la petite copine. Ah. Mode gros bourrin.
Encore une fois, je casse toutes les caisses juste pour m'échauffer. Coucou! Oh. Et là, elle se barre en mode Crash, c'est qui celle-là? Tu te trompes ou quoi? C'est. Mais non, c'est ma petite sœur! Calme-toi, wesh! En plus, elle a pas de poitrine! Oh là là! Ouh! Ah mais... What? Ah d'accord, il a popé sur moi l'enculé. Ok, why not. Allez, un petit niveau de brio, même si... ce sera plus valable quand je ferai la gemme... jaune. La gemme bleue, quand j'aurai la gemme bleue. J'adore quand elle tend, elle fait... Oh! Je le fais un peu mal, mais voilà quoi. N'importe quoi. Lol. Bon, j'ai vraiment du mal avec les sauts dans le remake du 1. J'ai vraiment du mal. Dire que j'ai réussi du premier coup dans l'original, pour ceux qui s'en souviennent. D'accord, j'ai vraiment, vraiment, beaucoup, mais beaucoup de mal. Non, je pense pas qu'il y a le bug de la TNT. Non, je peux pas. On peut pas sauter par-dessus le... Non. Bah, ok. Allez, hop. Heureusement qu'on perd pas de vie. Ok. Elle a glissé. Connasse. Hop. Non, non, putain, connasse. D'accord. Elle a des pattes de félin, dis donc. Putain, par contre... ouais. C'est Nawak. Caca. Oh là là, elle va trop loin maintenant. Niveau précision, c'est exigeant. Ça ne l'était pas autant dans l'original. Ça l'était un petit peu, oui, mais... Putain, j'aurais dû m'arrêter. Hop. What? Attends. Non. Non. Mais saute plus haut que ça, bordel de merde! Mais bordel, mais... Oh, c'est impossible. Ouh! T'aurais dû rester sur Facebook, sur ton PC, au lieu de venir m'aider, en fait. Oui, bah... Non! Mais oh putain, mais j'ai envie de l'arracher les cheveux, bordel! Pitié, quoi, merde! Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Mais. Pourquoi? Bah alors! C'était pas compliqué, bordel de merde! Je vais le regretter! Ok, en fait, je pense qu'il faudra que je maintienne croix. Alors, on va voir si ma théorie est bonne. Oui, d'accord, c'était plus simple que ça en avait l'air. Est-ce que je vais le regretter? Je l'ai regretté. Putain, j'ai les yeux plus gros que le skill. Et j'ai en fait... Ah non, 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 c'est bien, c'est très bien même. Voilà, on rattrape un peu le... Du coup, heureusement ça fait pas de dégâts, hein, parce que c'est bon, hein. Voilà. Super. Un niveau de brio. Ah, je vais avec brio, lol. J'étais même pas obligé de le faire en plus, ce bonus là. Puisque je peux même pas avoir la gemme.
Mais je le fais quand même parce que j'ai les yeux plus gros que le skill. Voilà, prends-toi ça sur le crâne, connasse. Et encore, c'était gentil, hein. Hogwild. Ah, tiens, j'ai envie de voir. J'ai envie de voir. Ah non, on peut faire qu'avec Crash, d'accord, non. Ah, on peut pas faire avec Coco. Ah bah oui, Coco chevaucher un cochon quand même. Ce serait très tendancieux. Lol, rien que de le dire, c'est... C'est dégueulasse. Bon, je préférais ta tête avant. Quand tu... Ah, juste avant de chevaucher le facochère. Hakuna Matata! Oula! Quel fail magnifique! Par contre, la musique, elle est bien aussi. Voilà, il faut sauter un peu plus en avance là-dedans. Ouh, attention de ne pas faire embrocher. Bon ouais, ça j'ai vraiment fait le con sur le coup. Heureusement que... Pas besoin de recommencer depuis le début. Oh là là, c'est chaud. Voilà. Juste rouler un petit peu à côté. Oh alors là! Alors là... Bon. Oh putain non, je l'ai raté. Hop. Ces limites, ils ont rendu la musique encore plus débile qu'elle l'était de base. Oh oui! Yes! Oui! Oh putain, j'ai eu peur! Voilà. Ok, là c'est cool. Alors, oh putain. Un qui s'est fait bien embrocher. Oula. What? Ah oui, celui-là par contre... Ok. Le prochain, il faut sauter. Et je l'ai fait trop tôt, enfin trop tard. On se concentre. Alors là, niveau concentration, c'était de la merde. Oula. Voilà. Quoi? Je vais essayer de passer en dessous pour voir. Si je peux pas passer en dessous, ça veut dire que c'est une question de réflexe. Lorsque je devrais sauter par-dessus. Voyons, voyons. Non, bah non, 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 c'est question de réflexe. Et il me semblait pas que dans l'original c'était comme ça.
Celui-là il a un petit peu de... demande plus de réflexes que les autres. Là, là c'est tranquille, hein. Tu sais direct qu'il va aller en dessous, lui tu sais direct qu'il sera en haut. L'autre t'hésite, hein, franchement. Et clairement, là, je vois pas. Niveau réflexe... Attention. Hop. Là, tu peux même sauter en avance, y a pas de souci, mais le troisième... Non, même... non, clairement pas. Je le touche à chaque fois. Si je fais en avance, je le touche, je rebondis sur lui. Et si je le touche... enfin, si j'essaye de sauter avec un petit peu plus de retard, et ben là, je me le prends avant de sauter, quoi. Ah bah ok alors. Ouais, un tout petit peu d'avance quand même. Comment ils se sont pas... ils se sont pas fait chier. Oula. Oh bah. Crash, t'es dégueulasse. Non. D'ailleurs, D'ailleurs... Je sais plus ce que je voulais dire. Bon, tant pis. Alors... ah oui, voilà, oui. Par contre, ils se sont pas... ils se sont vraiment pas foulés, hein, pour le bruitage des... des cristaux et des gemmes, hein. C'est exactement comme ceux du 3. Hein, tous pareils. Native Fortress, qui est un... je peux pas avoir la gemme non plus. Faut la gemme rouge. Ou rose, certains diront. De toute façon... n'a jamais été marqué... ah, tu préfères contrôler l'ancienne, essaye les touches directionnelles. Bah c'est ce que je suis en train de faire depuis tout à l'heure d'ailleurs. Ah bah oui, je me mets dans les conditions à l'ancienne. Je suis vraiment un malade. Alors je sais pas, mais Crash... le mécanisme de Crash, pour moi, j'arrive pas à le faire avec les joysticks. Autant le 2, peut-être... le 2 et le 3 encore, ça va, mais... le 1, non, j'arriverai clairement pas au joystick. C'est... le mécanisme est beaucoup... d'accord, ok. Le mécanisme est beaucoup trop linéaire. Et quand des fois je dérape sur le joystick, voilà, ça peut vite fait me faire rager. Certains y arrivent, hein, même très bien. Mais moi, c'est pas trop mon cas. Oh punaise, elle a failli se faire... quelque chose de Peggy 18. Très Peggy 18. Faudrait éviter le BDSM sur Crash Bandicoot. Hein. C'est quand même un jeu pour les gosses, les gars. Déjà que... oula, d'accord. Déjà, le fait de sortir une putain de grosse gemme du postérieur... j'espère que Coco ne fait pas la même chose. Lorsqu'on finira par avoir une gemme avec elle. Ce serait vachement dé... oh putain de merde. Ce serait vachement dégueulasse. Bravo. Oh c'est bon, je peux me rattraper. QUOI ? Pourquoi ? Attends, non. J'ai pas touché la touche de bas là. Non. Attends, t'es en train de me dire que... non, t'es pas en train de changer de position toute seule, quoi. Oh, il a refait... oh putain, mais connasse ! Encore une fois. Je suis à 27 minutes déjà. Enfin, c'est vrai que je vais couper les trucs quand même au montage. Hein, le truc avec brio, quoi. Allez, un peu plus de précision. Voilà, bah... oh, mais sérieux ! Putain ! Ah, mais y a vraiment tout, en fait. Calculé à la minute... au centimètre, au millimètre près. Pour te casser les couilles.
Ah bah ça y est, on arrête de faire la conne. Ah, connerie. Voilà. Dégage. Nope. Voilà. Ouais, pas besoin de sauter dessus par-dessus. Hop. Yo là 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 là, c'était pas loin. Non, je vais pas tenter la... Je vais tenter aucune dinguerie. Allez, on va revoir la belle-sœur. La belle-sœur à Coco. Enfin, l'ancienne belle-sœur. Hein. Pour le coup, ah, on sait clairement pas ce qui lui est arrivé. Je sais pas, Vicarius aurait pu inventer un petit scénario de pourquoi Tona n'est plus là. Je sais pas, moi, mais non. Parce que franchement, le nombre de théories qu'il doit avoir sur internet sur la disparition de Tona, quand même. Bon, on connaît tous la vraie raison de pourquoi elle n'est plus dans les autres jeux, mais. Dans le scénario, du coup. Comment ça pourrait être raconté sans se faire passer pour une incohérence en mode je m'en bats les couilles, tu gommes mon histoire et puis voilà. Un petit peu comme les... Oh là, merde. Je voulais dire un petit peu comme l'histoire de Warcraft, comment il est en train de partir en steak. Il y a des choses, tu comprends même pas pourquoi c'est là. Genre, Sylvanas, chef de la Horde, comme ça, allez, hop. Please. Cette connasse. Avec un grand C. Comme caca. Lol. Merde, putain. Et elle recommence ces conneries en plus. Oh, bordel! J'ai envie de lui prendre par les cheveux et lui smasher la tête sur mon bureau. C'est bon la blondasse. Désolé à toutes les blondes qui regardent cette vidéo, je n'ai rien contre les blondes. Par contre, oh putain! On va y arriver. Oui, on va y arriver. Je l'espère. Oh putain, elle a recommencé le coup du je me décale. Putain. Vraiment, mais comment? Je ne touche pas la touche directionnelle du bas. Pourquoi il fait ça? C'est... Faut que je me colle au mur en fait, c'est... Seule façon, hein. Bon, tu commences sérieusement à les briser, hein. Non, 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 putain de merde. Je te jure. Et j'ai tellement envie de lui prendre par... Sa putain de queue de cheval, je la prends et je lui casse la tête sur mon bureau, c'est ça que j'ai envie de faire.
et lui faire avaler son putain de PC rose là. Putain. Vraiment. Tu casses les couilles, je vais reprendre Crash. Et si ça se trouve, ça va pas changer grand chose. J'ai déjà assez ragé sur son frère dans les opus originaux. Pourquoi? Pourquoi? Explique-moi pourquoi! T'es passé à côté encore! Mais pourquoi tu te décales? Putain, je vais me coller au mur, c'est pas possible. Ne me dis pas que c'est à cause de ça, là, le mur qui est arrondi. Oh pitié! Oui! Enfin! On y est arrivé, nom de Dieu! Et. Oh fuck! Mode petite nature activé. Ah, dommage. Dommage, je fais pas comme dans le 1. Bon, y a pas de caisse, c'est dans l'autre. C'est dans le niveau précédent qu'il y aura ça. Normalement. Olé! Du coup, il y aura un passage, j'ai intérêt à faire très vite. Dégage. Tu m'as assez fait chier dans l'original. Oh putain. Pitié! Ah, je pense que niveau compilation de fail, ah, il y en aura, hein. Il y en aura à la fin, il y en aura. Oh, bordel de merde. Ouais, on est passé en Peggy 18. Elle est montée au 7ème ciel. Et bon. Oh non, mais sérieux. Oh bordel, non. Ah! Olé! Non, mais... Pouah, mais niveau précision, mais c'est de la zob! Et le truc, c'est que c'est punitif, le fait que tu vises vraiment pas bien. Voilà. Le truc, il m'a poussé, on dirait. Et que si... Si t'arrives à atteindre le morceau de plateforme et juste le petit morceau au bord, tu glisses comme une merde. Voilà à quel point c'est punitif le truc. Frustrant, très frustrant. Alors je sais plus si on peut aller de l'autre côté. Dégage. Voilà. Ah, c'est ici qu'on peut aller. Voilà. Non, mais bordel de merde! C'est punitif, cette connerie! Et voilà. J'ai voulu aller trop vite encore. Voilà, bah il donne un masque, hein, parce que je suis vraiment pitié sur ce niveau-là. Ouh, tous. Bon, ok. J'ai eu un petit, une petite frame d'invincibilité.
Voilà, ici, la gemme rouge, ou rose pour certains. Non, pourquoi? C'est... je sais pas, c'est... Je suis attardé des fois, c'est un truc de malade. Tant pis, fonce. S'en bat les steaks. Mais pas trop quand même. Ben, j'ai jamais autant fail sur The Grid... The Grid Hall... Non. Grid Gate, pardon. The Grid Hall. Voyons ce que ça a donné. J'ai osé fail là-dessus. Dans le... l'origine... Connasse, putain, mais essaye au moins de rebondir comme il faut. Quitte à se prendre un fail. Putain, mais sérieux! J'appuie bien fort sur la touche de gauche. Mais non, ça passe pas. Non, dans ton cul, ça passe pas. Bon, on va se calmer, on va se reprendre. On va se concentrer. Voilà. Là, c'est bon. La voie est libre. Voilà. Nope. Tu ne m'auras pas au petit-déj. Ah, ils ont mis un checkpoint d'ici. Ah bah, ils ont repris un petit peu le même concept que dans les autres... Enfin, dans les opus originaux. C'est qu'à partir d'un moment où tu commences à trop galérer, ils ont dit, bon, c'est bon, tu casses les couilles, on va te mettre un checkpoint là-bas, plus loin. Mais en vrai, je suis vraiment pas fier quand ça m'arrive. Ça veut dire vraiment que j'ai... j'ai délivré une performance de gros nul, quoi. Hop, les petites vies. Et bah là... Non, putain. Vraiment? Vraiment, Coco? Vraiment? Oh putain, mais... Oh là 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 là... C'est pas vrai... Non, je tente pas le diable comme je l'avais fait dans l'original. Ah oui, d'accord, parce que c'était cogné avec le... Oh, bordel de merde. Sérieux. Le truc, c'est que je suis obligé de rester appuyé sur croix pour vraiment sauter plus loin. Parce que c'est tellement punitif quand tu atteins le bord. Tu glisses comme une merde. Ah bah oui, merci pour les vies. J'en ai vraiment besoin. De toute façon, je peux pas récupérer la gemme. Hop! Je vais pas me casser le cul encore. Hein. Non, parce que. Sinon, elle va encore me refaire le coup du. J'arrive plus à monter. Mais bon. Allez, prends ça dans ta gueule! Ce n'est pas encore fini, t'inquiète pas. Putain, 42 minutes d'enregistrement. Fou! Ah, mais c'est quelque chose. Hein. C'est vraiment quelque chose. Hein. Ouh, bah je vais m'en arrêter là, hein, du coup, c'est... Ouais, il serait vraiment temps. Et je suis pas loin de faire Reaper O. Il reste juste Up the Creek. Ah non, c'était pas Underwater, justement, c'était Up the Creek, et bah voilà. Bon, bah du coup, merci d'avoir regardé. Un épisode qui s'est annoncé riche en fail. Et je pense qu'on va continuer sur cette voie. Dommage pour moi, malheureusement, ouais. Et bah, du coup, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, bon appétit, vous êtes à table, tout ça, tout ça. Que la foudre du Jinuga soit avec vous accompagnant, difficile. Ciao, peace, and love, see you next time.